Et bien aujourd'hui, le Seigneur Dieu nous invite
C'est tellement beau que ça doit être vrai. C'est tellement beau que ça doit être vrai parce que Dieu fait que des choses belles et magnifiques. Et puis de toute façon, puisque Jésus nous l'a promis et puisque la Bible nous enseigne, c'est que c'est vrai. Et c'est une bonne chose de nous redire que cette promesse du ciel est une promesse faite par Dieu pour tous et que en levant les yeux par les yeux de la foi, nous contemplons déjà cette multitude auprès de Dieu. Alors, dans cette multitude, il y a les saints et les saintes connus. La Vierge Marie, Sainte Monique, Sainte Rita qui est au fond, il y a les saints et les saintes. Et puis, il y a cette multitude de saints et saintes connus de Dieu seul, parmi lesquels nous le croyons et l'espérons fermement, se trouvent beaucoup de ceux que nous avons connus et aimés. Libérés de leurs péchés, saisis par l'amour de Dieu, nous croyons et nous espérons que beaucoup de nos proches sont auprès de Dieu déjà dans cette joie et que du haut du ciel, que font-ils? Ils louent Dieu et aussi ils prient pour nous parce que cette fête de la Toussaint nous sommes invités à lever les yeux vers le ciel. Nous pensons aussi que le ciel nous regarde avec bienveillance, nous regarde avec compassion, nous regarde aussi avec toutes ces prières qui descendent du ciel vers nous. Que font les saints et les saintes de Dieu? Ils se réjouissent de cette gloire de Dieu, ils sont dans cette béatitude éternelle, mais cette béatitude n'est pas égoïste. Rappelez-vous les belles paroles, cette parole si forte, si puissante de la petite Thérèse, sainte Thérèse de Lisieux, qui a dit avant de mourir, « Je passerai au ciel à faire du bien. Je passerai au ciel à prier pour vous. » Alors vous voyez, nous sommes aussi soutenus dans notre marche par cette belle vision de la gloire du ciel et par la prière des saints et des saintes, parmi lesquels se trouvent aussi beaucoup de nos proches, sont maintenant auprès de Dieu et qui nous encouragent. Vous voyez, cette prière, c'est comme un flux, c'est comme une énergie positive, c'est comme une lumière. Peut-être que nous n'en avons pas conscience, mais aujourd'hui, c'est important qu'on en prenne conscience. Et ce flux, cette énergie, cette lumière, ces prières, eh bien, nous aident tout simplement à marcher sur le chemin de notre vie. Et sur le chemin de notre vie, nous sommes puissamment encouragés par la prière des saints. Et puis nous sommes encouragés, bien sûr, puissamment par les paroles de Jésus. Heureux, vous qui marchez sur ce chemin du ciel. Heureux, vous qui, sur cette terre, désirez Dieu. Heureux même, vous qui peinez parce que, dans cette peine, dans cette douleur, quelle peut être grande cette douleur du deuil, déjà. Il y a une lumière qui est donnée. Déjà, il y a un encouragement. Déjà, il y a un chemin qui s'ouvre. Vous voyez, dans cet évangile toujours tellement étonnant, on appelle l'évangile des béatitudes, Jésus dit que sont heureux ceux qui ont dans leur cœur un désir. Désir de Dieu, désir de justice, désir d'être consolé, désir aussi de partager, désir d'un monde meilleur, désir du règne de Dieu. Voyez, dans cette absence qui parfois peut être si douloureuse, se trouve aussi un désir. Et dans ce désir, déjà, d'une manière mystérieuse et réelle, Dieu vient nous rendre. Dieu vient nous rendre. Et c'est pour cela que Jésus ose dire, et c'est lui qui le dit, heureux même ceux qui pleurent, ils sont déjà consolés et le seront de plus en plus par le Seigneur. Alors, les yeux au ciel, mais les pieds sur terre. Nous ne sommes pas en train de rêver pour échapper aux difficultés de cette vie. Quand Jésus s'adresse à nous, il connaît nos peines, nos difficultés, mais il nous dit, heureux êtes-vous parce que je suis avec vous sur ce chemin qui va de cette terre, de cette vie, vers la vie éternelle. Et donc nous avons la tête au ciel et les pieds sur terre pour avancer, avancer pas à pas.
cela